On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Actuellement, on est à Marbella. On est en Espagne. Là où c'est pas mal, petit cocktail. En Thaïlande toujours. Si vous avez suivi les vlogs précédents, genre Chypre, vous savez de quoi je parle. Et attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Eh bien évidemment, un verre à la fois. On est dans une petite maison piscine très 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 sympathique. Chez voilà, le cousin. De très bien, on a été se restaurer déjà à la plage et ensuite on va aller dans un petit village très typique qui s'appelle Ojen. On va vous emmener avec nous, vous croyez quoi? Vous croyez que vous allez rester comme ça? C'est parti! Allez! Ça va, tout va bien. J'ai confiance en la voiture de location, on est bien garé. Là, on va chercher un resto à Ojen. On va chercher la petite place. Aujourd'hui, on passe la journée à Ronda. Exactement. Là, on est à la Niña Adela. C'est un bar à tapas, très bien noté. Nous, on va se faire notre propre notation. Et on va aller voir un pont. Si vous suivez nos vlogs Amsterdam, on a été voir des ponts aussi. Non. Et on va vous emmener avec nous. Et puis c'est tout. Et effectivement, bah, dans cette région-là, je vous avoue, il faut une voiture. Si vous voulez un peu graviter tout autour de Malaga et Marbella, il faut une voiture. Et c'est très agréable, la route est super sympa. Il y a personne. C'est vallonné un petit peu, mais ça fait pas des virages. Si, il y en a quand même. Ouais, il y a quand même peu, les routes où t'as envie de vomir. Mais sinon, là, c'était facile. Regardez-moi ça. Petit tapas, jamon. Inès, c'est toi qui vas commencer. Hop, 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 hop. C'est bon ou c'est pas bon? C'est trop bon, ça fait penser au food d'haleine d'Amsterdam. Si allez voir notre vlog. Vu, ouais, on vous le met allez juste voir, ici. Il est intéressant. À l'intérieur c'est comme ça. Franchement, ça donne envie de fou. Aïe, 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 aïe. Là, à mon avis, ça sent le canard, là, peut-être. Et comme on se laisse pas abattre, encore une fois, on attaque le vin rouge espagnol. On attend ton verdict. Bah, déjà, le vin rouge, déjà, il est très tannique, très corsé. Il a des chevaux, comme on dit dans le jargon. Il est bon. Bon, on va tenter ça. Du canard? Du canard. T'aimes bien? Pas ma tasse de thé. À la fin, il reste le goût du canard, vu que j'aime pas trop ça. Tiens, pas de tout. Riz, gros sel. Là, les amis. Truffe, fromage. Exactement. Et pour la petite anecdote, si vous ne nous suivez pas sur Instagram, on vous mettra notre Instagram juste ici. Aurélien est allergique à la truffe. Ah, c'est chiant. Du coup, le monsieur lui en a fait un sans truffe. Eh, merci, signor. Et il m'a gentil. Ramené l'huile Par de contre, truffe. Pour Inès. Franchement, j'ai goûté. C'est une pépite. Du coup, on va Exactement. Vous mettre l'adresse dans la barre de description parce qu'on vous le recommande si vous venez à Ronda. Exactement, vraiment, franchement, venez ici, c'est super sympa. Là, on part au pont neuf. La cuenta, ça veut dire la note. Ou l'addition. Ou l'addition. Sympa, le pont magnifique, tout ça c'est bien. Et comme d'hab, si tu descends, faut remonter. Donc faut y penser. Et encore, on n'est pas allé tout en bas parce que vous pouvez aller tout en bas. Ce soir, on a prévu de se faire une petite soirée à Malaga. On commence à prendre les couleurs au bout d'une journée attends, ou deux. Parce que je suis toute blanche, attention. Wow. Les crevisses, on a encore parlé un peu trop vite. Faut pas qu'elle gonfle non, comme à Chypre. On vous met par ok, là, c'est bon. Apparemment, on va manger là. Yes, elle est contente là, la cantarana, ça va lui plaire. Et moi, ça va me plaire parce que y a ce qu'il faut, il y a de la cartouche. Ah, y a de la bonne cartouche là, c'est sympa là. C'était bon le dessert? Oui. On l'a pas filmé le dessert? Non. C'est pas grave. Regarde
étape de la journée. Aujourd'hui, on s'en va à Grenade. Et ce soir, c'est Miras. C'est un petit village blanc, très très beau apparemment. Faites pas comme nous et vous y prenez pas au dernier moment. Si vous souhaitez visiter l'Alhambra, faut réserver bien à l'avance. Parce que là, on va mourir. C'est 20 euros par personne, je crois. Comme d'habitude, je m'y prends à la dernière minute. J'ai regardé ce matin et en fait, il n'y a pas de place aujourd'hui. C'est que demain, sauf que nous, on y va aujourd'hui. Donc, on ne visitera pas l'Alhambra. Semaine Sainte, c'est pour ça qu'il y a plein de gradins. Au Telefonica, complètement par hasard, on est passé devant. Inès est en train de choisir le white white sweet. Grave. Et là, hop, au moins, on va tester la bière locale, comme on fait d'habitude. Ah, tiens, baby. Bam. Tu penses que c'est du crabe? Je pense que c'est. Donc là, t'es contente parce que c'est toi qui vas tout manger. Tu veux que je fasse le test? Vas-y, fais le test, parce que mon crabe, ça peut être possible. Si c'est du thon, ça va. C'est trop bon, c'est vrai? Ouais, vas-y, je le tente alors. C'est extraordinaire. En fait, ça me fait penser à toutes les salades de pommes de terre qu'on mangeait quand on était petit. Ça, c'est extraordinaire, les copains. Je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est spécialité de la maison de Telefonica. Alors, bon, voilà ce que j'ai commandé, moi. Une salade, burrata, fraises, laitue, noix, tomates. Extraordinaire, ça donne trop envie. Et madame, tartare de saumon, il y a de la grenade en plus. Eh, c'est étonnant, parce que où est-ce qu'on est? Ah oui, c'est vrai. Eh. Un vin de grenade. Comme on dit au salon du vin, il est bon. C'est tout ce qu'on dit au salon du vin. Je vais couper la burrata. Vous n'êtes pas prêts. Même moi, je suis pas prêt. J'ai même pas de souvenir de goûter. Si Bartolio de chocolate. Bartolio de chocolate. Pourquoi tu mets un accent italien alors qu'on est en Espagne? Il y a un problème. Bah, j'en sais rien, moi. Je vais dire comme l'été. Ça va pas. Hop là. Donc, j'aurais bien aimé goûter. Elle est vraiment trop vive. Elle a mis 3 coups de cuillère et PAU! Et en plus, qu'est-ce que t'as fait, genre? Oh, je t'ai pas fait goûter, bébé. Petite place nommée Inès. Ça doit être une place où on laisse rien pour les autres, où Inès prend tout pour elle, comme le dessert. On va clôturer la petite journée pour l'instant à Grenade avec un jus d'orange pressé. Elle aime ça. Là, on est à Miras, petit village tout vêtu de blanc. Franchement, très très mignon. On va vous montrer ça au calme. Qu'est-ce que tu en penses déjà? Déjà, lutte contre le vent, elle va s'envoler. Elle est toute petite, toute frêle, toute fragile. Là, en vrai, il y a beaucoup de vent parce que... Ouais, il y a pas mal de vent, mais c'est haut. Mais on est très haut, donc en fait... On va vous montrer la vue. Voilà, petite Miras. Ouais, ça va, il y a eu pire que ça. Je pense qu'on va, on va manger là, ça va être très sympa. À la Casbah, ici, là. Petite pizzeria typique espagnole. Bon bah voilà, on est au level 0, pour payer c'est au level 10. C'est parti. 1 euro pour 3 heures, ça va quand même, ça passe. Et aujourd'hui, nous sommes à... C'était Nil. Petit village creusé dans la roche. Ils ont creusé la roche, ils ont pris des maisons, ils les ont mises dedans. Vous allez voir ça, c'est très joli. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, ça fait flipper, tu te dis, mais comment ils ont fait ça? Comment ils ont fait? Ils ont et creusé? Pourquoi ils ont fait ça? On sait pas pourquoi. On va tenter de le découvrir.
creusent la roche et mettent une maison dedans. Là-bas, il y aura les toilettes. Là, ici, il y aura un petit dressing. Bon, là, il y aura la cuisine, la cocina. Moi, je construis pas ma maison ici. Hein. Franchement, on va vous montrer un petit peu. C'est technique. C'est, on en est arrivé à l'endroit où la roche recouvre les maisons et les personnes. On envoie la croquetas et là, ah ouais, c'est bon ça, c'est pas mal hein. Et du canard, ah, et des œufs, et des œufs, et du cheddar, et du pain. Comment ça va tout le monde? Aujourd'hui, Torremolinos, on va se faire un petit déjeuner au calme, au bord de la plage. Et on va kiffer, c'est comme ça, c'est ça. Et voilà, bravo. Il y a des mecs qui jettent des trucs par terre. Et voilà où on va s'arrêter pour déjeuner. Granier, c'est un peu le pôle de l'Espagne apparemment. Ça va être sympa avec une petite vue sur mer. C'est la deuxième fois, je crois, qu'on va sur la plage là. Donc on savoure chaque instant. Après un bon petit déj. Pensez pas trop si on le voit là, mais il est là, il y a un perroquet là, c'est super sympa. Il y a des perroquets d'ailleurs, c'est leur art, voilà, c'est leur terre-terre. Une perroquito. Je sais pas comment dire. Voilà, ce soir, petite trouvaille du cousin là, il nous a déniché un petit resto derrière les fagots, comme on dit. Marbella. Là-bas, c'est Gibraltar. Je vous laisse apprécier quand même ce petit coucher de soleil. Round 2! Poulet au curry pour moi. Paella, crovetas, limonberas et el pollo! Bah alors, qu'est-ce qui se passe? T'as trop mangé encore? Oui. Comme à Chypre. Hey! Comment ça va aujourd'hui? Attends, parce que là. Quoi? Tu veux qu'on s'arrête? Non, on peut marcher, on peut marcher. C'est un homme. Toi, tu vas mal finir encore. Vas-y, vas-y. Aujourd'hui, on est à Malaga et on va bruncher. Et voilà, on va bruncher aujourd'hui. Bam. Attention, ça arrive là. Mais attention, on a pris tous les deux la même chose. Hein. Même les toilettes, elles sont stylées. Bon. Donc là, on est à un marché couvert.
plage. On va se poser, on va se mettre en maillot de bain et on va bronzer. C'est ça qu'on va faire. On va bronzer, on va faire les biscottes. Il fait chaud, hein. Donc on se désaltère. C'est le dernier petit déjeuner. T'es content? T'as pas l'air content? Non, parce qu'elle a kiffé l'Espagne. Elle a bien aimé l'Espagne. Tortilla dans le pain. Ouais, c'est pas mal. Bon bah voilà, c'est la fin. La prochaine vidéo arrive dans un mois. Regardez, on a pris des couleurs, on est plus des cadavres. J'avoue, on était blancs comme des culs. On espère que cette vidéo vous aura plu. Et dans un mois à peu près, sera en Thaïlande. Pour ceux qui nous suivent sur Instagram, vous êtes déjà au courant. Donc on vous met notre Instagram juste ici. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao. Voilà, c'est parti. C'est chaud. Hein. C'est chaud.